Bonjour, nous allons étudier l'anatomie de la rétine. Pour cela, Nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, introduction. Deuxièmement, anatomie macroscopique. Troisièmement, histologie. Quatrièmement, la topographie de la rétine. Cinquièmement, la vascularisation. Et enfin, une conclusion. Introduction. La rétine est une fine membrane tapissant la surface interne du globe. C'est un tissu neurosensoriel capable de capter les rayons lumineux et de transmettre les informations visuelles au système nerveux central. La rétine, issue de neuroblastes, c'est une structure nerveuse constituée de neurones et de cellules gliales. Elle est caractérisée par la présence de cellules hautement spécialisées, dites les photorécepteurs. Sa double vascularisation est fournie par un système artériel propre, issu de l'artère centrale de la rétine et par un apport de voisinage situé au niveau de la chorio-capillaire. Deuxièmement, anatomie macroscopique. La rétine est une membrane sensorielle destinée à être impressionnée par les rayons lumineux. La rétine forme la tunique la plus interne du globe oculaire, recouvrant toute sa surface depuis la papille jusqu'au lora serrata. Plus en avant, elle se prolonge sur le corps ciliaire et l'iris. Mais de façon rudimentaire, cette partie ayant perdu ses capacités photoréceptrices. La rétine est une fine membrane de coloration bronzée, transparente, bien vascularisée. Sur son versant interne, elle est en contact avec le vitré par l'intermédiaire de la membrane hyaline. Troisièmement, la histologie. Sur cette coupe histologique de la rétine humaine présente du point de vue histologique 10 couches de l'extérieur vers l'intérieur. Premièrement, l'épithélium pigmentaire. La couche des photorécepteurs ou cônes et bâtonnettes. La membrane limitante externe. La couche nucléaire externe. La couche plexiforme externe. La couche nucléaire interne. La couche plexiforme interne. La couche des cellules ganglionnaires, la couche des fibres optiques et enfin la membrane limitante interne. Quatrièmement, la topographie de la rétine. Sur cette coupe sagittale vue latérale du globe oculaire, on distingue deux grandes zones, la rétine centrale et la rétine périphérique. Concernant la rétine centrale, elle a de 5 à 6 mm de diamètre. Elle est située au pôle postérieur de l'œil. Elle comprend la fovéola, la macula, la région maculaire. Si on fait une coupe histologique de la rétine, on voit bien la fovéola. C'est une dépression centrale de la fovéa. Pour faire appel, la fovéa est une petite zone de la rétine de 1,5 mm de diamètre au centre de la macula, située au fond de l'œil. Elle forme un entonnoir en dépression, un creux, en son centre, dans sa partie la plus profonde, se trouve la fovéola. C'est précisément sur cette zone que l'image d'un point observé se projette. Pour la macula, c'est une zone elliptique de 1,5 mm de large pour 1 mm de hauteur. Elle comprend la fovéola au centre et le clivis qui borde latéralement la dépression fovéolaire. Son aspect
légèrement jaunâtre. Pour la région maculaire, formée par la fovea, les régions parafoviales et périfoviales. Concernant la rétine périphérique, elle est classiquement divisée en quatre zones. La périphérie proche au contact du pôle postérieur, elle s'étend sur 1,5 mm. La périphérie moyenne, elle mesure 3 mm. La périphérie éloignée, elle s'étend sur 9 à 10 mm du côté temporal et 16 mm du côté nasal. L'aura serrata, extrême périphérie, elle mesure de 2,1 mm en temporal et de 0,8 mm en nasal. Cinquièmement, la vascularisation. La vascularisation artérielle, la rétine reçoit son apport sanguin par un double système, à savoir la choriocapillaire et le système d'artère intrarétinienne. Concernant la choriocapillaire, elle vascularise les couches externes et notamment les photorécepteurs. Ce réseau capillaire joue un rôle fondamental dans la vascularisation fovéolaire. Pour le système d'artère intrarétinienne, ce sont des branches de l'artère centrale de la rétine. Ce système prend en charge l'apport artériel aux couches internes de la rétine. À ce réseau peuvent s'ajouter des artères surnuméraires comme les artères ciliorétiniennes. À noter que la vascularisation de la rétine s'agit d'une vascularisation terminale. En cas d'embolie, entraîne une perte brusque et définitive de la vue dans le territoire intéressé. À propos de la vascularisation veineuse, le drainage veineux de la rétine est assuré principalement par la veine centrale de la rétine. Les vénules de petit calibre se réunissent de façon centripète de l'aura serrata vers la papille pour fournir des veines de plus en plus importantes, qui se drainent habituellement dans quatre troncs. Les vénules temporales supérieures, les vénules temporales inférieures, les vénules nasales supérieures et enfin les vénules nasales inférieures. En conclusion, la rétine est une fine membrane transparente tapissant la surface interne du globe. C'est un tissu neurosensoriel caractérisé par la présence des photorécepteurs qui réagissent aux signaux lumineux. C'est la plus interne des trois membranes et c'est la membrane sensible aux impulsions lumineuses.